Absolument. Bien, vous allez bien? Quel privilège ce matin là, d'être ici en avant. On m'a demandé là, de présenter Pasteur Guiteau. J'aurais pu dire des tas de phrases, parce que je le connais depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Et on a œuvré ensemble en Haïti, on œuvre encore ensemble en Haïti. Moi, je suis au Québec. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être je vois beaucoup de figures qui me connaissent, évidemment, mais mon nom c'est Jacques, puis je suis directeur là, de mission Projet Haïti pour Haïti. Je suis aussi directeur là, de Main internationale. Alors, deux fonctions que j'aime beaucoup occuper. Alors, bon, comment est-ce que c'est que je décrirais Pasteur Guiteau? En fait, j'aime mieux vous amener un verset. Vous me connaissez, hein? J'aime parler des choses de la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 10, le verset 8, ça dit simplement ceci. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est comme ça que je présenterai mon ami et frère, Pasteur Guiteau. C'est des paroles qui ont été dites par Jésus lui-même, hein? Puis c'est un impératif. Vous avez reçu gratuitement, donné. Pasteur Guiteau, sa vie est de servir Dieu. Ça, c'est la première des choses. Sa vie est au service des Haïtiens. Sa vie est donnée entièrement à ceux et celles qu'il aime en Haïti. Sa famille, son église, ses églises, ses frères et sœurs qui sont là-bas. Et c'est un privilège aussi, évidemment, de l'avoir avec nous ce matin. Tous les jours, Pasteur Guiteau et moi, nous avons un échange. Alors, tout ce qui se passe en Haïti, je le sais. Vous savez, depuis quelques années, je suis à l'église ici, puis je vous partage les capsules. Un plaisir pour moi de le faire, mais quoi de mieux que d'avoir la personne qui vit directement les événements en Haïti? Quoi de mieux? Ce matin, vous allez entendre un message, vous allez entendre aussi un partage. Un monde, une culture là-bas qui est tout à fait différente de la nôtre. Vous le savez, je le dis souvent ça. Mais avant de passer la parole à Pasteur Guiteau, tu peux t'approcher, mon frère. Je veux dire merci à l'Église qui permet les capsules, qui permettent aussi le fait que Pasteur Guiteau peut apporter un message. Merci au conseil. Merci aux parrains. Vous savez, on est ici à l'Église d'aujourd'hui, une des églises où c'est qu'il y a le plus de parrains au Québec. Je pense qu'on a à peu près une dizaine de parrains, marraines, qui sont là avec nous. Et merci beaucoup. Les parrains, les donateurs, merci d'être là pour les besoins des familles en Haïti et des enfants. Car grâce à vous, grâce à ce que c'est que vous allez entendre ce matin, grâce à vos dons, ces enfants-là peuvent étudier et manger. On a parlé tantôt de manger cette semaine avec nos frères de l'Ontario. Alors c'est grâce à vous ce matin, peu importe le montant, peu importe ce que c'est que vous faites, mais c'est grâce à chacun de nous que nos enfants là-bas peuvent étudier, les professeurs peuvent être payés et manger. C'est tellement important. Tellement important. Alors, Pasteur Guiteau, merci d'être là. Merci d'avoir quitté ton beau pays. Oui, absolument. Où t'es allé? Merci, Pasteur Jacques. Bonjour, frères et sœurs, bien-aimés. Ce matin, en venant ici, vous pouvez le remarquer, j'ai la gorge un peu concentrée. C'est l'émotion qui est en train de nous envahir, pourquoi? En passant à ce long chemin pour arriver jusqu'ici, quelle est ma motivation? Quelle est votre motivation d'être ici pour me regarder et m'entendre parler? Tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur. C'est lui, par son amour, sa compassion, ses bras étendus, transversalement et horizontalement, qui nous a unis ensemble. Et nous avons plusieurs chapeaux, famille, procréation, et nos familles et qui nous ont donné la vie aussi physiquement,
Et Dieu a fait en sorte que il nous donne une famille élargie. Cette famille universelle, c'est ça que je dis à mes frères et sœurs en Haïti, nous avons une grande famille. Dieu l'a permis d'avoir des frères et sœurs qui nous aiment, qui nous supportent, qui prient pour nous et qui partagent nos bonheurs, notre bonheur et notre malheur aussi. Et un grand merci à Pasteur Jacques et son équipe. Je pense qu'il y en a plusieurs ici. Docteur Hélène, Sœur Marie-Paul, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et je ne veux pas en citer pour ne pas susciter trop de jalousie. Mais je sais que vous n'êtes pas jaloux. Vous êtes des enfants de Dieu. Mais Pasteur Jacques et son équipe travaillent très fort que je sois ici ce matin avec l'aide de Dieu. Et j'aimerais remercier le leadership de l'Église d'aujourd'hui qui a permis que je suis ici pour partager avec vous cette œuvre que Dieu a implantée en Haïti. Merci aux techniciens qui vont nous aider, ainsi au système logistique qui va nous permettre de partager avec vous ce qu'on apporte. Comme je disais hier dans notre présentation, une photo vaut 1000 mots, mais vous allez voir des photos. Alors, vous allez voir des milliers ou des millions de mots. Et j'apporte aussi, comme Matt Shenley, je fais référence, je m'excuse, je cite le nom, c'est mon bras droit. Et dans ses lettres, il envoie toujours. Il emprunte la voix des élèves, des églises, des pasteurs et la communauté même pour vous remercier pour votre soutien spirituel et matériel, financier. Je disais à Diane, ah, mais je ne suis pas arrivé là seulement, je sais que je suis arrivé là avec la grâce de Dieu, mais sans vous autres, sans votre soutien, non, nous ne serions pas arrivés là. Ce que vous allez voir, peut-être, il y en a parmi vous qui étaient un peu, bon, pas mal découragés. Mais je suis ici pour vous dire, restez encouragés. Tiens bon, parce que le travail que vous faites en Haïti fait une grande différence. Et des versets, une rivière ou un ruisseau dans la mer, vous n'allez pas voir la différence. Ah, mais dans la misère, dans la situation des gens en Haïti, à l'école Emmaüs, clinique Emmaüs, nos pasteurs, nos églises, ça fait une grande différence. C'est comme verser dans une tasse un jet d'eau. Boum! Vous allez voir la différence. Donc, je ne vais pas me reprendre 50 années de ministère. Cette année, on va célébrer 50 ans de ministère. Et j'aimerais remercier aussi tous ceux et celles qui nous ont supportés parce que maman Pierre, papa Pierre nous ont laissés et eux autres étaient là toujours avec nous malgré notre expérience, notre âge. Je vais toujours à côté de papa Pierre et je m'assois pour papa Pierre. Qu'est-ce que je fais dans une telle ou telle situation? Il m'a dit, mon fils, je te regarde, on m'a dit que je suis sage, mais toi, tu es plus sage que moi. Vas-y avec ce que tu as. Donc, aujourd'hui, il est parti retrouver son père à 96 ans et le travail continue. Je sais que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas votre travail, c'est le travail de Dieu. Et ensemble, on va laisser
cette legacy pour la communauté haïtienne et les enfants sans espoir et qui sont en train, et des jeunes qui sont en train de vivre toutes sortes de situations que Dieu vous a épargnées, vous, jeunes qui sont ici aujourd'hui. Notre travail, c'est de créer de l'espoir chez ces jeunes. Je vais commencer en 2021. J'ai été kidnappé. Je ne sais pas si j'étais ici, j'ai partagé ça déjà. Je ne sais pas si. J'étais kidnappé. En plein milieu de travail, en plein milieu de fonction à l'école, et dans le site aussi, là où on a toutes nos infrastructures, l'église, l'école, clinique, etc., la famille, on était là. J'étais kidnappé. Mais je savais que j'allais kidnapper. Je savais. Et les gens me demandaient d'aller me cacher. J'ai dit non, je ne veux pas aller me cacher. Jésus-Christ savait qu'on allait le kidnapper. Si ils viennent pour me kidnapper, je vais me laisser aller et je sais que mon Dieu ne me laisserait pas se faire tuer. Écoute, je ne jouais pas avec le feu là. Mais Dieu a entendu ma prière parce que je me suis dit, si je me suis allé cacher, ils vont venir, ils vont être en colère, ils vont incendier l'école, ils vont incendier l'église, ils vont kidnapper mon père, 96 années, ils vont kidnapper les filles, je vais me laisser aller. Je ne pourrais pas. On m'a dit, mais pasteur, vous pouvez voyager, aller au Canada. Je dis non, je ne veux pas laisser mon peuple. Mais aller cacher à Pétionville, je dis non. Mais chose dite, chose faite, j'ai été enlevé, mais Dieu m'a protégé. Je réalise en fin de compte, Dieu voulait, j'ai été kidnappé pour aller dans cette cellule pour prier avec deux personnes. Un maçon loge, un spiritualiste, qui me disait, toi, t'es pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je suis un professeur, je suis un enseignant, je suis un spiritualiste. J'enseigne les pasteurs comme vous, en France, aux États-Unis, partout. Mais j'ai failli mourir. J'ai failli mourir sans Dieu. Priez avec moi, pasteur. Un autre jeune de 37 ans, me disait la même chose. Priez avec moi parce que j'ai failli mourir sans Dieu. C'était ça, ma mission, que Dieu me permet. Dieu a permis à mes ennemis de me kidnapper pour aller évangéliser deux personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais je faisais deux disciples. Et j'étais relâché après 3 jours et 3 nuits, comme Jésus-Christ a passé dans le tombeau. Le travail qu'on fait, on va commencer. C'est moi qui a la manette pour. Merci. Ok. J'ai tendance à regarder. Alors, en 2023, des bandits, ils m'ont kidnappé en 2021. En 2023, mais ça a bien été, je suis retourné à Duval, j'ai recommencé, c'est là que j'ai creusé un puits pour la population. On faisait des distributions, etc., que l'Église nous supportait, m'ont permis d'aider les gens. Et je continue notre ministère. Et 8 juin 2023, j'étais ici. Et on m'a appelé en janvier. Je montais en janvier, on m'a appelé, comme vous voyez ici, des bandits armés, bien armés,
ont envahi Bellevue de la Montagne. Bellevue de la Montagne, c'est plusieurs communautés ensemble et situées dans les hauteurs de Pétionville. Et maintenant, les gens de toutes ces communautés-là étaient en déplacement. Toutes les églises, les écoles ont fermé leurs portes parce que les gens ont eu peur pour leur vie. Et ici, moi, je ne savais pas quoi faire. J'étais en prière et soudain, il me passait par la tête, dit, mais écoute, je ne peux pas rester sans rien faire. Et tout de suite, j'ai appelé mon équipe là-bas et je les ai informés. Pasteur Jacques a été informé avec son équipe. Boum, on a loué une place à Pétionville pour reloger l'église, reloger la clinique. Et les ces enfants-là étaient des enfants candidats pour aller passer l'examen officiel de l'État pour boucler le cycle fondamental. Et on a dit, on va faire de quoi? On a loué cet espace et c'est là qu'on a relogé l'église et plusieurs autres familles. On n'était pas à voir de la capacité, mais l'argent que Pasteur Jacques a envoyé, c'était des enveloppes pour distribuer aux familles pour pouvoir prendre soin de leurs familles. Alors, c'est là qu'on avait l'église. On se réunissait comme l'église primitive qui ont subi des agressivités, des persécutions. Ils ne lâchaient pas. Je dis, on ne lâche pas, on avance. Et ça, c'est l'un de nos enfants de la mission, le monsieur que vous voyez ici, un monsieur qui, de son âge, il était à l'église, aujourd'hui il est leader, eux autres, ils ont pu continuer faire le travail. Mais on se disait, waouh, il ne faut pas rester là. J'ai rencontré les équipes de travail en les faisant part. Bon, il faut qu'on trouve un endroit pour reloger la mission parce que 12 l'église, 12 pasteurs et une école avec plus de 300 enfants, la clinique, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder des espaces, des places, mais Dieu avait un plan. Moi, Diègue, c'est un endroit que je détestais physiquement parce que c'est chaud et poussiéreuse, c'est une communauté qui avait, il y a beaucoup de poussière, et il y avait une force résistance assez atroce, assez forte pour, contre les gangs. Les familles ne voulaient pas venir là. Quand on parle de Dieg, personne ne voulait entendre parler de Dieg. Mais c'était nous. Mais dans le plan de Dieu, il y avait un plan pour Dieg. Et finalement, je suis rentré chez moi, désolé, désespéré, je ne trouve pas. Et on me demandait 400 000 dollars américains pour des places que j'ai regardées parce que ça nous prend espace pour loger la mission. Et finalement, je suis rentré chez moi découragé. Et je me suis dit, et j'ai appelé ma nièce, je dis, Luna, je vais appeler Millie, c'est ma fille qui est ici, je vais retourner au Canada. Puis le Seigneur m'a dit, écoute, c'est toi qui vas retourner au Canada. Mais demain matin, tu montes à Dieg avec ton équipe. Waouh! Je monte à Dieg avec mon équipe. Je monte à Dieg. Il y avait ce petit espace, un terrain, que mon petit frère avait depuis des années. Dieu n'a jamais voulu qu'il fasse rien sur ce terrain, excepté la clôture. Et en arrivant, et j'ai demandé à mon équipe, il y avait deux ingénieurs plus un architecte, je dis que vous allez mesurer ça, j'ai besoin de 14 salles de classe, plus les infrastructures pour les professeurs. Ils mesurent, ok, on va vous donner ça. On va vous donner ça. J'étais étonné, et c'est là qu'on a commencé. On a, en août, voyez-vous que l'école allait ouvert. En septembre, en août, on a commencé et le Seigneur a ouvert des portes. Des gens qui ne connaissaient même pas nous donnaient à crédit
L'un de notre ingénieur, c'est un homme d'affaires, il a investi son argent. En plus que ce que Pasteur Jacques a envoyé, on a ensemble collecté ce qu'on a. Et voilà, ça c'est le dos. On a sa paroi de chaussée en bas. Et ça c'est le dos ici. Et on a ici un espace où on loge l'église, l'école. Et Dieu a permis qu'un bon samaritain a envoyé de l'argent, qu'on a loué un bel espace, on a relogé la clinique. Et dans la clinique, on fait des miracles. On fait des miracles. Et ce vendredi, il y avait une fille qui avait sa face comme tournée en arrière. Et le Seigneur a permis qu'à travers cette clinique, cette fille est redevenue belle comme elle était. Vous applaudissez le Seigneur. So, et le travail qu'on fait là-bas a un impact sur la génération actuelle. Et j'ai la conviction que ce qui va rester va graver dans les annales de l'histoire. Alors ici, on a en dessous 14 salles de classe. On a en dessous l'église, c'est coincé, mais on s'accommode et on dit merci à notre Dieu. Voilà. C'est à l'intérieur de tout ça, regarde. Donc, ici, quand les enfants sont là, il n'y a pas de place pour les adultes. C'est fou. Si vous aimez les enfants, Dieu vous permettra un jour d'y aller, vous allez voir. Quand les enfants sont là, regarde, il n'y a pas de place pour les adultes. L'école fonctionne et... Ça, c'est notre équipe. L'argent que vous envoyez là-bas est fait plongailler, c'est ça. Je ne sais pas si ce mot vous rejoint. C'est comme l'enfant que vous parrainez, $40 que vous envoyez, voilà ce qu'il fait. À part de donner à manger aux enfants, à part d'acheter des matériels, et notre sœur Marie-Paul, je me suis de citer son nom, qui est une folle pour bibliothèque, ramasser des livres, envoyer de l'argent pour acheter des... Elle m'a dit, moi, tout ce que je fais, c'est pour acheter les livres, parce que moi, l'éducation, ça me tient à cœur. Donc, ici, l'argent que vous envoyez, regarde les profs. Moi, j'ai regardé ça, et je me suis dit, waouh. Comment ils sont plus motivés? Parce que je ne vais pas dire, je ne vais pas vous dire combien ils touchent. Mais 43 employés plus un autre 30 et quelques, 71, je ne sais pas, je ne fais pas mes calculs. Quand on enlève 43 à l'école, et ils ne sont pas tous ici, là, mais ils sont fiers avec leur uniforme propre. Pour servir les seigneurs. Et eux autres étaient aussi en déplacement. On a fait ce qu'on peut, on les a tous relogés, voilà, nos enfants. Et qu'est-ce qu'on inculte à nos enfants? Regarde, ils sont en train de prier. C'est pour la montée du drapeau. Et ils font leur serment d'allégeance envers les seigneurs. J'en ai écrit environ une cinquantaine, serment d'allégeance, tous des versets bibliques. Des valeurs de bonne qualité pour les apprendre à aimer Dieu. On a une école chrétienne et voilà. Vous dites, mais où sont les élèves? Ça, c'est la quatrième année. Alors, on devrait vous montrer la file de Kinder jusqu'à NS2. Mais on vous donne quelques échantillons de nos classes. Ça, c'est la cinquième année. Ici, NS1 et NS2. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je vous ai donné, regarde, ça c'est notre préscolaire. Vous voyez? Donc, nos petits, que j'adore, parce que c'est la future. Ça c'est... Niveau 2, niveau 3.
ils vont graduer aujourd'hui et cette année. Donc c'est l'argent que vous envoyez, les enfants que vous parrainez. Voilà. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, l'espace qu'on a pour l'église, quand les enfants sont là, il n'y a pas de place pour les adultes. Donc, regarde, on apprend aux enfants à apprécier ce qu'on a aussi. On les apprend, on ne fait pas l'assistanat, on les apprend d'apporter aussi des légumes. Va dire à ta mère, à ton père, achète-moi un paquet de carottes. Donne-moi des bérégènes, donne-moi des patates. Parce qu'à l'école, on va organiser une journée ensemble, qu'on va manger ensemble. Les enfants apportent, on les apprend à apporter aussi. Donc, on les inculque les valeurs. Donc, la mission grandit à Dieppe. La mission grandit à Dieppe. La mission continue son bonhomme de chemin. On a des nouveaux convertis. Moi, je me suis dit, presque 40 ans dans le ministère, j'ai eu mon baptême de feu cette année. Parce que cette année, et à Dieppe, on aura 34 candidats au baptême. Vous pouvez vous applaudir le Seigneur pour votre travail. Le temps qu'on arrive là-bas, vous avez des questionnements. Et si votre équipe avait des questionnements, vous avez aussi des questionnements. Parce que Jacques et son équipe, c'est votre échantillon. Et qui pose des questions pour vous. Oh, est-ce que vraiment c'est Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire avec Dieppe? Est-ce qu'on va fermer Dieppe pour retourner à Duval? Non, je ne vais pas fermer Dieppe pour retourner à Duval. Ce n'est pas moi qui va le fermer. Dès que j'arrive à Dieppe, Dieu m'a donné 4 poteaux, 4 visions, 4 éléments. Vision, mission, fusion. Vision, mission, fusion. Responsabilité passager à accoucher de nouvelles perspectives. Et si j'oublie le dernier, c'est vrai. Donc, en réalité, l'Église explose à Dieppe. L'évangélisation explose à Dieppe. Chaque dimanche, on prie pour des gens, on donne la main d'association. Aujourd'hui, on va avoir 34 candidats au baptême. Et on prévoit cette année de faire une marche à puce de Dieppe à Duval parce qu'on veut célébrer ça. Si toutefois la sécurité, il y en a, parce qu'on ne veut pas prendre de chance. Mais on fait confiance à notre Seigneur. Je vous demande de prier pour ça bientôt, puisque Pasteur Jacques va vous en parler. Regarde, ça c'est l'Église à Dieppe. Les gens, ils sont contents, ils sont heureux. Notre équipe de protocole, ils essaient de camoufler les washs, les murs, les laideurs, pour que quand les gens arrivent, ils se sentent accueillis, ils se sentent bien accueillis. Donc c'est l'Église, c'est notre équipe d'adoration et de louange, c'est toutes des jeunes. On crée l'espoir. C'est les enfants qui dansent pour à la gloire de Dieu. Donc cette activité, on l'avait fait. Et pour la journée mondiale des enfants. C'est eux autres qui prêchaient, qui dirigeaient, qui faisaient tout. Donc, nous assistons à une grande effervescence à l'Église, comme c'est dit ici. Et nous vous remercions et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Donc, une petite image de notre clinique, ça serait la barrière, c'est plus sécuritaire. La clinique, l'école est aussi sécuritaire. Donc, on a une clinique dentaire aussi. Et c'est la première fois qu'on l'a à Dieppe. Ça, c'est l'équipe. Marie-Paul, je vous ai parlé hier soir. C'était une jeune fille missionnaire qui était en Haïti et c'est la nièce à Marie-Paul qui a lancé ce programme qu'on appelle PCF, programme préventif d'éducation, etc. pour les femmes. Et aujourd'hui,
ça a arrivé à Dieg, notre vision, c'est d'avoir une caisse populaire. Moi, ma vision, elle va loin. Et donc, et ici, c'est avec l'association villageoise d'épargne et de crédit qu'on a créé un fonds mutuel. Moi, j'ai dit à nos communautés, on n'est pas là pour vous assister toujours, mais vous devriez être autonome. Donc là, on a créé cette structure, on les emprunte un petit minimum pour aller acheter et revendre et réutiliser ce qui reste pour qu'une autre madame, on passe le flambeau, on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant. J'espère d'avoir environ 500 membres dans cette structure pour avoir notre caisse populaire. C'est une autre demande de prière que je vous demande de prier pour, parce qu'on ne peut pas être toujours dans l'assistanat. On veut que nos communautés deviennent autonomes. Donc, projet à venir, cette année, et les enfants que vous voyez, on a des classes supérieures qui arrivent pour septembre. Waouh, c'est chaud, c'est court. Septembre, on n'a pas d'espace pour les mettre. Donc, il nous faut des blocs en dessous de la structure et prévoir environ 3 ou 4 salles de classe temporairement pour nos classes supérieures qui arrivent en septembre. Aujourd'hui, la demande est forte, l'informatique. Et on a quand même un fournisseur ici, c'est Pasteur Paul André. Mais s'il y en a parmi vous qui ont des laptops, jetez-le pas, ne le jetez pas. Donnez à Pasteur Paul, à Pasteur Jacques. Marc-André peut les réparer. On en a besoin. Nos enfants ont besoin. Et pour la salle d'informatique, bibliothèque, on a déjà un fournisseur. On veut avoir une bibliothèque pour nos enfants. Donc, urgent, deuxième étage. Voici le building qu'on a à Dieg, c'est notre vision. Nous avons projeté de construire un complexe administratif pour loger tous nos services et dans ce building. Donc, on a fait la conception. Les enfants mangent. Je vous montre beaucoup de photos, même si ce n'est pas en ordre. Les cadeaux que vous envoyez pour vos enfants, c'est ici, un échantillon. Et parrainer un enfant sur le tableau, vous connaissez déjà, et c'est déductible d'impôt. Ce que vous donne, ce que vous soit donné en parrainage ou en don, vous aurez votre déductible, si c'est déductible aussi d'impôt. Donc que le Seigneur, il vous touche le cœur, il vous permet de comprendre que nous autres, on n'était pas découragés. On était là. Pendant tout ce que vous avez entendu, soit à travers la radio, les nouvelles, que Haïti est effondré, ils font ça pour... Il y a des situations qui arrivent vraiment. Mais nous autres, dès que la situation était arrivée, je me suis dit avec mon équipe, à travers les grandes crises, il y a toujours de grandes opportunités. OK? Et il y en a un qui m'avait dit, on va transformer nos échecs en chèques. Donc, on l'a fait, et ces paroles-là étaient des paroles vraiment fortifiantes et qui venaient de cœur. Donc, ce matin, c'est ça, vos millions de mots, parce que vous avez vu vraiment pas mal d'images. Donc, on va continuer. Et partager, je vais partager avec vous quelques versets bibliques, petits mots. À travers ce qui s'est passé en Haïti, est-ce qu'on laisse la lecture, s'il vous plaît? Oui, ça parle. OK. À travers ce qui s'est passé en Haïti,
Qu'est-ce que je disais? Différent et non indifférent. Alors je m'excuse si vous voyez différent et non différent. C'est non indifférent. Je ne sais pas si en le sauvegardant, l'autre petite IN a été dissipée, mais c'est différent et non indifférent. Je me demande, ben, Guito, pourquoi tu étais si différent? Puis, je voulais un texte biblique. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant l'être, et qui maintenant être le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je me suis posé la question, pourquoi? Et vous êtes si différent. Bon, dans vos prières, Dieu a mis sur mon cœur de partager ce verset avec vous. Et sans doute, vous vous posez la question aussi, pourquoi nous sommes différents? Pourquoi à travers toute cette crise, soit en Haïti, en Ukraine, en Proche-Orient, Moyen-Orient, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, vous supportez des missionnaires? Pourquoi vous êtes si différents? Vous vous demandez déjà, bon, comment Dieu vous voit. Parfois, on se sent. Moi, je me posais la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est stupide? Et puis, il y a les gens qui m'appellent, mais c'est l'ennemi qui les encourage à me poser cette question. Pasteur Guito, est-ce que vous aimez votre vie? Est-ce que vous êtes plus brave que les autres? Pourquoi vous êtes allé en Haïti? Je dis, moi, au contraire, je suis un peuple, je suis un fils élu de Dieu. Je fais partie d'un sacerdoce royal. On se pose la question. Comment Dieu nous voit? Peut-être nos interactions avec les autres ont façonné la façon dont vous pensez être perçu. Ça arrive. Le reflet de nous-mêmes. Comment on me voit? Comment on vous voit? On vous voyait, dis-je. Mais, dans sa parole, Dieu nous dit exactement à quel point nous sommes aimés. Hein? Et chéri, il nous aime. Alors, le passage d'aujourd'hui décrit environ quatre nombreuses et merveilleuses façons dont il nous voit. Et c'est la raison qui nous pousse à regarder ensemble
ces quatre merveilleuses façons dont Dieu nous décrit. Nous vivons dans une société où les vraies valeurs perdent leur qualité. C'est la raison pour laquelle moi, je me donne la peine. Et je décris comme deux grandes peines. La peine de faire la différence et la peine de rester indifférent. Moi, dans ces deux peines, je me donne la peine de faire la différence. C'est une peine pour vous de faire la différence. Parce que vous vous exposez aux critiques. 5 minutes. Merci. Ma pression. Je sais qu'il est en avant. Et Dieu, à travers cette peine, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous a donné ça. Il nous dit que vous devez être différent parce que vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour sa possession. Il vous a acquis. Donc, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi la parole nous dit dans ce texte, hein, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de cette même attitude. Souffert, c'est une peine pour être différent. Et pasteur Jacques le sait. Voilà ce qui nous rend différents. Nous sommes un peuple acquis. Excusez-moi, Élie. Dieu nous a choisis, vous et moi, pour faire partie de son royaume et de sa famille. C'est la raison pour laquelle, quand je parle, soit à une église au Québec ou en Haïti, je dis, nous sommes une famille, nous avons une grande famille, une famille universelle. Parce qu'il nous veut et il nous aime. Nous sommes son peuple. Un sacerdoce royal, en tant que croyant, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et par conséquent, membres de sa famille royale. En d'autres termes, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce que nous faisons, nous sommes que une sorte de jonction, une sorte de tuyau que Dieu utilise, un moyen que Dieu utilise pour toucher nos frères, pour toucher nos sœurs, pour apporter la joie dans le cœur de ceux qui sont tristes. Dieu vous a utilisé parce que vous êtes ses enfants, vous êtes ses élus, vous faites partie de sa famille royale. En réalité, vous êtes une nation sainte, voilà ce qui nous rend différents. L'Église, vous êtes ici, vous êtes le corps de Christ. Vous savez déjà, vous êtes un groupe, nous sommes un groupe de croyants et personne ne peut pas nous empêcher de faire la différence. Passez du temps dans la parole de Dieu, votre vie ne sera jamais dénuée de sens. Jamais. Passez un petit temps, priez pour les enfants d'Haïti, votre vie ne sera jamais dénuée de sens.
Visitez quelqu'un à la maison. Votre vie ne sera jamais dénuée de sens. J'ai entendu plein d'annonces ce matin. Impliquez dans le travail de Dieu, au contraire. Au contraire. Vous accomplissez les desseins de Dieu. Alors, vous souriez? Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pas vrai? Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est la raison pour laquelle on est ici ce matin. Parce qu'on est ici pour faire quelque chose pour nous-mêmes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Un, pour soi-même. Pour soi-même. J'ai dit aux gens, moi, ma place est en Haïti. Parce que c'est là que je me sens bien dans ma peau. C'est ma mission. Être avec les enfants, partager leur peine. C'est ma mission. Faites-le de bon cœur. Être en harmonie avec vous-même. Parce que vous êtes le reflet de votre message. Cultivez l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs, la joie, la paix, la dignité, la patience, la douceur, la compassion. Faites-le de bon cœur. Alors, il faut que vous vous sentez bien dans votre peau. Et pourquoi il dit faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. C'est l'inverse, c'est parce que Dieu sait déjà. Quand nous faisons des choses pour les hommes peuvent devenir ingrats, incompréhensifs. C'est la raison pour laquelle il dit, mais comme pour le Seigneur. Mais si vous ne le faites pas pour vos semblables, si vous n'aimez pas vos semblables, comment pourrais-je vous dire pouvez-vous dire que vous aimez le Seigneur? Comment puis-je dire que j'aime le Seigneur quand je n'aime pas mes semblables? Pour vos semblables, de aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qui nous rend différents. C'est ce qui vous rend différents. Est-ce que vous voyez ce petit bonhomme? En Haïti, vous ne le voyez pas. Vous connaissez Wilkins que vous voyez à travers Pasteur Jacques, vous ne le connaissez pas. Moi, quand on m'avait annoncé que Wilkins était prêt pour mourir, j'ai dépêché des hommes et des motocyclettes comme Wilkins était un roi. Je dis, il fallait m'amener. Vous devez m'amener Wilkins maintenant. Et aujourd'hui, Wilkins est en pleine forme. Et j'ai appelé ses parents. J'ai fait signer un papier devant le commissaire, je dis, je ne vous donnerai jamais Wilkins. C'est ce qui me rend différent. Je prends position pour un enfant. Pour un enfant, sans défense. C'est ce qui nous rend différents. Et, comme pour le Seigneur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ta force, de toute ton âme, de toutes tes forces. De toute ta pensée, etc. Vous voyez, vous aimez le Seigneur en dernier. Pour soi-même, pour vos semblables et pour le Seigneur. J'aime pas aller dans le gym, prier pour moi parce que j'aimerais y aller, parce que je dois être en forme. Il y a un proverbe créole qui dit sac vide, pas campé. Un sac vide ne peut pas se tenir debout. C'est la raison pour laquelle qu'on passe des temps dans la parole de Dieu, nous autres. C'est la raison pour laquelle qu'on veut aimer pour qu'on projette cet amour. Donc, en réalité, nous sommes un peuple acquis. Vous et moi, nous sommes des possessions précieuses de Dieu. Nous lui appartenons.
C'est depuis dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'antichambre du Nouveau Testament de l'Église. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu puisses être un peuple qui lui appartient en tous, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Devrions-nous rester indifférents face aux menaces des gangs? Devrions-nous rester indifférents face à la situation sociopolitique qui détériore en Haïti? Non. Nous devons faire la différence. Et nous le faisons tous. Nous faisons la différence en priant les uns pour les autres, en supportant Pasteur Jacques, en supportant vous autres, en supportant le ministère de parrainage en Haïti. Nous faisons la différence. Et aujourd'hui, je vais terminer mon message avec ceci. Pendant la situation sociopolitique en Haïti, je vous le dis déjà, je voulais faire la différence. Je ne voulais pas rester indifférent. Malgré la situation était vraiment perturbante, mais au milieu de cette grande crise, nous avons décidé de faire la différence en choisissant de prendre des opportunités d'évangéliser une nouvelle communauté. Et aujourd'hui, on a une église, on n'a pas de place déjà. Il nous manque des places pour des nouveaux convertis. Et comme je vous ai dit, on aura 34 candidats au baptême. Si j'avais choisi, comme plusieurs autres leaders qui avaient choisi de rester dans l'indifférence, laisser le pays, aller se cacher en France, aux États-Unis, venir cacher au Canada, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et je n'aurais pas ce témoignage. Et vous l'avez. Et je prends la liberté de vous contaminer ce matin avec ce message. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander au leadership de passer, parce que ce n'est pas moi qui va prier. Et en tant que l'image emblématique de la communauté, de la mission en Haïti, j'aimerais que vous m'accompagniez à travers ce message, un moment de prière. J'aimerais être soumis à ça, avec humilité, chers frères. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Pasteur Guito. Je trouve ça motivant de voir toutes ces photos de tous ces jeunes, de tous ces projets, de toutes ces choses, et de voir ce que Dieu fait dans une... On entend parler beaucoup des troubles en Haïti, hein? Mais d'entendre des bonnes choses que Dieu fait, ça nous montre sa fidélité envers nous. Et ça nous donne l'espérance. Donc, on va prier pour vous et pour votre ministère. Donc, Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce pour le don que tu nous donnes d'avoir entendu ces paroles de la part de cet homme. Pour la grâce que tu nous donnes de voir comment choisir la souffrance peut nous amener. C'est le seul chemin qui nous amène vers ta bénédiction. Un peu comme Gabi nous a prêché l'autre semaine. Notre cœur ne désire pas souffrir. On ne désire pas les problèmes, les troubles, les difficultés, mais c'est à travers eux, Seigneur, que tu nous formes, que tu nous travailles. Et c'est dans ces moments-là que tu te montres fort, que tu te montres plein d'amour, que tu te montres fidèle envers nous. Oh, Seigneur, merci pour ce symbole de la fidélité que nous avons devant toi, devant nous ce matin. Et Seigneur, je te demanderai de bénir cet homme, donne-lui la sagesse dans toutes ces différentes décisions qu'il doit prendre. Que tu lui donnes le courage qui vient de la foi pour avancer toujours de gloire en gloire, d'œuvre en œuvre pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, que tu bénisses encore ces enfants qui en apprennent,
pas juste le français ou l'anglais puis la mathématique, mais apprennent aussi ta parole et comment te craindre. Que tu donnes dans les donnes à ce que les professeurs soient des modèles non seulement de bonne vie, mais aussi de foi, et qu'ils soient différents et non indifférents, et que ça motive une génération de jeunes de grandir en Haïti avec la culture haïtienne, mais rachetée par Jésus-Christ. Que tu bénisses les écoles théologiques, tu bénisses les aides qu'ils donnent à tous ces gens qui sont tellement dans la misère. Que tu pourvoies encore à la nourriture et au salaire pour les professeurs. Que tu protèges les gens de tout ce qui se passe là-bas, qu'il y ait un bouclier de protection, s'il te plaît, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par les saints anges, et que tu gardes ton peuple jusqu'à la fin. Et Seigneur, à travers toutes ces souffrances, ce qu'ils désirent le plus, j'imagine, c'est de rester fidèles à toi. Donc que tu les gardes dans le cœur, fermement en Jésus-Christ, à vivre à la gloire de ton nom. Amen. Excellent. Un petit espoir, je m'excuse, donc. Continuer à prier pour le gouvernement. On a un nouveau gouvernement, un premier ministre, et il y a les forces kenyennes aussi qui arrivent, la force internationale, pour donner un coup de main à notre police nationale pour éradiquer des gangs. Donc Dieu travaille à tous les niveaux. Alors ça, c'est vraiment un grand espoir. Continue. Amen. Merci beaucoup. Puis encore une fois, on ne veut pas juste vous laisser partir. On vous envoie avec la bénédiction de Dieu. Donc, j'ai choisi ce matin Romains 16, 19 et 20, qui nous dit « Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et avec la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » Bonne semaine, bon dimanche, à la semaine prochaine.